C'est une chasse à l'homme réussie par la gendarmerie. Une semaine de traque qui a abouti à l'interpellation de 19 personnes. 7 parmi elles ont participé au braquage du bureau de poste de Kumpentum qui a mal tourné. Elle a coûté la vie à l'adjudant-major Tamsir Sané, commandant de la brigade de la gendarmerie locale. L'information est confirmée par le haut commandement qui, depuis, a installé un rideau de surveillance et d'interception dans plusieurs localités situées pour la plupart à l'est du pays. Un début de soulagement chez les hommes en bleu, déterminés à rendre justice à leurs défunts collègues en procédant à l'interpellation de toutes les personnes impliquées dans ce meurtre qui a ému toute l'opinion. La veille, en Conseil des ministres, le président de la République avait condamné un acte ignoble. Macky Sall a du coup demandé au ministre de l'Intérieur et à son collègue des Forces armées de prendre toutes les dispositions pour trouver dans les meilleurs délais les malfaiteurs et criminels qui seront punis conformément à la loi. Un appel du chef suprême des armées entendu avec l'interpellation des présumés meurtriers de l'adjudant-major Tamsir Sané par la gendarmerie qui promet de boucler de manière exhaustive les investigations toujours en cours.